Metz 10e accueille Pau 14e, un point derrière. Les Grenats sont distants de 7 longueurs de la deuxième place après n'avoir remporté qu'un seul de leurs 6 derniers matchs, 2 nuls, 3 défaites. De leur côté, les Palois, qui étaient sans succès après 7 journées, ont remporté leurs 2 dernières rencontres. Rebond pour les uns, désir de prolonger la série pour les autres. Voilà l'enjeu de ce Metz-Pau. La première confrontation, toute compétition confondue entre les deux équipes. 11 minutes de jeu, l'énorme erreur de Kouassi qui laisse ce ballon passer sous ses crampons. Il n'en faut pas plus à Amadou Ndiaye pour ajuster Alexandre Oliero. Premier but de la saison pour l'attaquant sénégalais de retour de près du Mans. Entame de match est bonne pour les hommes de Laszlo Bologny et qui vont laisser des possibilités derrière aux Palois. Alexandre Oukidja reste vigilant au premier poteau, mais il va encore y avoir quelques situations pour les hommes de Didier Tolo avec cette frappe enroulée de Papi Mnouba. L'ancien attaquant de Niort et du Havre ne cadre pas sa tentative. Passé ses alertes, Metz va repartir à l'attaque pour essayer de se mettre davantage à l'abri sans parvenir à trouver la réussite escomptée. ...1-0 pour Metz à la pause. Les Grenats vont tâcher de conserver cet avantage avant un calendrier démentiel à venir avec Bordeaux, Sochaux, Le Havre, Saint-Étienne et le Paris FC. Pau qui ne baisse pas les bras et qui se procure des occasions. Alexandre Oukidja a finalement plus de travail que son homologue Alexandre Oliero. Et finalement, sans cette erreur en début de match de Kouassi, les Palois font véritablement jeu égal avec les Messins. La réussite pour Alexandre Oukidja, sauvé par sa barre transversale. Pau n'a marqué que 7 buts depuis le début du championnat. Là, on ne peut pas leur reprocher aux hommes de Didier Tolo de ne pas tenter. Seulement la réussite qui les fuit. Après 3 matchs en victoire, Metz se relance et se replace à 6 longueurs du leader. Pau rechute après 4 matchs sans défaite et ne compte plus qu'un point d'avance sur la zone rouge.